Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver. Donc ici c'est Praetorians Gaming et puis on est reparti pour du Kingdoms, donc épisode 2. Alors j'ai vendu une maison les amis, donc la maison la plus basique en fait qui est possible dans le jeu. J'ai vendu celle-là en fait qu'on avait construit en premier. Et j'ai mon premier colon qui est arrivé, donc c'est pour ça que je suis à 565 en gold. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc il pleut toujours, hein. Alors regardez les amis, j'ai un colon enfin dans ma ville, et donc j'ai été la voir, et elle est marchande, donc pour l'instant, premier colon, marchand. Donc après on pourra leur attribuer des rôles, hein, vous voyez, on pourra le mettre en conseiller, percepteur, général, ambassadeur, ou dans la milice. Pour l'instant il y a tout ça en emploi administratif, voilà un petit peu. Donc on va mettre un petit 10% d'impôts, et puis voilà. Hop, on est parti comme ça. Donc tout d'abord les amis, on va essayer de construire pas mal de maisons par là. Donc là, je sais que ça va être le centre-ville, hein, le cœur de la ville en fait. J'aimerais bien poser la mairie pas loin du puits, tout ça. Donc l'hôtel de ville, on va la poser vraiment dans le centre-ville. Et puis vers les bordures par là-bas, on essaiera de se faire une ferme. Peut-être même la ferme, je la mettrais bien par là-bas, près des arbres, tout compte fait. Donc on va essayer de se construire une ferme, les amis, par là-bas. Et pour cela, il nous faut 5 rondins et 25 planches de bois. Donc allez, c'est parti, on va se faire une petite ferme par là-bas les amis, près des arbres, ça pourrait être sympa. Voilà, je pense qu'on va se le mettre par là. Nom de la colonie, on va mettre ouais, je vois pas trop d'idées ce qu'on pourrait mettre, donc c'est parti. Et puis on va construire la ferme, comme ça on pourra avoir de la nourriture après par la suite. Donc, je sais même pas combien j'ai de planches, on va bien voir. Voilà, on est à 15. Il m'en faut encore 10 minimum. Donc je pense que je vais en faire pas mal. Allez, une petite cinquantaine. Voilà. Et on a atteint encore un niveau supérieur, donc 70 points d'apprentissage. Voilà, donc là on a une petite ferme les amis. Génial. Et donc dans la ferme, alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Donc on peut dormir là. Fabriquer. Alors, on a toutes les viandes également. Le petit stockage. Et on peut fabriquer des graines de blé, tomates. Ah, c'est génial. Et là, 12 colons viennent d'arriver. Donc on est pratiquement 100 sur l'île. Donc ça, c'est pas mal. Graines de tomates, d'accord. Et on a besoin de une tomate pour pouvoir planter ceci. Donc ouais, j'ai pas mal de choux en plus, donc on pourrait essayer de faire des choux, ça pourrait être sympa. Ok, on a du concombre, du poivron également, d'accord, donc c'est vraiment pas mal, on pourra se faire ça. Donc je vais faire le potager juste à côté, hein. On va pas aller le chercher à perpète, on va le faire vraiment juste à côté. Donc construire, il nous faut 4 rondins et 10 planches de bois, donc ça va vraiment être très rapide. Donc on va le mettre pas trop loin de la ferme en fait. Voilà, je dirais ici, c'est pas mal. Alors oui. Et on va construire le potager, les amis. Pour pouvoir planter les graines. Et voilà. Alors, potager. Et là, voilà, on peut mettre des graines après. Donc j'imagine que les 3 rangs ici, ça correspond voilà, à chaque rang. Donc on peut en mettre 5 par rang, environ 5 graines. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais essayer de faire quelques graines les amis. Vu que j'ai pas mal de choux, tout ça, on va essayer d'en faire pas mal. Moi j'ai 26 choux, donc allez, on va faire 5 graines de choux. Ça fera une rangée déjà dans le potager. Ah d'accord, ça en fait 15. Ah ouais, bah fallait le savoir. Ok, je voulais un petit peu moins. Bon bah c'est pas grave. Graines de blé, bah c'est un petit peu pareil. On va essayer de s'en faire. Quantité, allez, entre 4 et 12. On va voir un petit peu. On est à 9 graines de blé. Ok. Tomates, on n'en a pas. Les poivrons, on va essayer d'en faire aussi. Alors, on est à 6. Parfait. Concombre. On va s'en faire également. Et pommes de terre. Bah, vu qu'on est à une seule, on va s'en faire une seule. Voilà. Et le restant, on n'a pas. Donc, on va essayer de planter tout ça dans le potager, les amis. C'est parti. Comme ça, on aura quelques graines là-dedans qu'on pourra planter. Alors,
D'abord, on va mettre quelques graines de chou. On va s'en faire 5 comme ça. Du blé, ça va pas donner grand-chose pour l'instant. Je préférerais plutôt des graines de poivron. On va s'en faire, allez, 5 comme ça. Graines de patates. Et quelques concombres. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On part comme ça. De toute façon, on pourra refaire un deuxième potager par là. Ça va pas être trop gênant. Donc là, les graines, bah, je vais les laisser là-dedans, dans la ferme. Voilà. On va tout mettre là-dedans. Donc le perso est à la moitié de sa barre de vigueur. Hein, donc pour l'instant, on n'est pas trop fatigué. Je pense qu'on va couper des arbres par là, les amis. Tout d'abord. Donc hop, on va se rééquiper de la hache. Et puis bah, on va battre les arbres. Regardez ça maintenant, la vitesse que ça fait. Et puis maintenant, ça donne deux bûches au lieu de une seule. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, regardez ça, tous les troncs qu'on peut prendre. Ça va vraiment super vite. Regardez ça, la vitesse. Voilà. De toute façon, il nous faudra du bois. Donc, on va farmer pas mal de bois, les amis. Le dernier tronc. Super. Donc ça, c'est bon. Alors, azalée, on va récupérer aussi. Pavot, on prend. Les baies, bien sûr, on récupère. Topinambour. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Camomille. Ça peut servir. Voilà. On prend un petit peu tout ce qui traîne hein, dans la forêt. Azalée. Donc azalée, ça, j'ai vu que ça pouvait augmenter les points de vie. Donc c'est assez sympa. Voilà, on va sortir la torche, les amis, parce qu'on voit que dalle là-dedans. Et ce sera un petit peu plus sympa pour la vidéo. Ok, parfait les amis. Donc là, notre champ est cultivé. Donc dans 55 minutes, on aura des légumes sûrement qui vont sortir de terre. Donc on verra ça, la progression. Donc la petite ferme est là, vraiment au bord de la forêt. Je vais aller chercher un petit peu de fer, les amis, là-bas. Alors, on va s'équiper d'une pioche. Puis bon, on va essayer de ramasser un petit peu de... Sans la compétence mineure. Bah, je l'ai apprise pourtant, la compétence mineure, c'est ça que je comprends pas. Ah, c'est la deuxième! D'accord. Alors, il y a un bug parce que là, quand on regarde terrassier, c'est marqué qu'on peut extraire de la pierre ou du fer. Et vu que j'ai appris la compétence terrassier, je me suis dit, bon, bah, on peut extraire du fer. Mais pas du tout, en fait. Il faut continuer à prendre de la pierre pour pouvoir après passer le level mineur et récolter du fer, en fait. D'accord, parce que là, en fait, ça marche pas. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser le gisement de fer sans la compétence mineure. Et donc, bah, je peux pas récupérer ça. Donc, faut que je prenne d'abord des pierres, les amis. Donc ça va être très très long, 250, waouh. Ok, donc on va ramasser un petit peu de pierre. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut nettoyer tout le terrain. Regardez, même les blocs avec 13 en stack, on peut carrément les ramasser. Et ça fait 18 points d'expérience à chaque fois au lieu de 9. Donc ce qui est vraiment pas mal. Donc les amis, on va continuer notre construction. Donc la pioche, on va la loger. On va construire quelques maisons encore. Donc là, je vais plutôt me concentrer par là-bas, au centre du village. Est-ce que ça, on peut détruire, par exemple, par la suite? Alors, je suis pas sûr qu'on peut détruire, malheureusement. Ouais, je peux pas détruire. Mince. Alors, j'aurais bien voulu détruire cette maison, en fait. J'aurais bien voulu construire, en fait, l'auberge au cœur de la ville, là-bas. Plutôt qu'elle soit vraiment reculée, comme ça. Donc, bah, ce qu'on va faire, les amis, on va construire une maison par là. On va continuer notre progression. Donc là, c'est le cœur du village. On va essayer de faire des maisons badass. Pierre brute 30, ouais. Maison en bois avec deux étages. Ok, eh bien, c'est parti. On va se faire cette maison-là, les amis. On va la poser ici. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Voilà, vu que c'est le cœur du village. Et puis, bah, on est parti. On va poser tout ce qu'il faut. 30 planches qu'il faut. Waouh! Donc là, cette maison-là, je pense que quand on va la vendre, ça va coûter quand même de la thune. Niveau supérieur encore. Waouh! Très bien.
Et maintenant on va mettre la pierre, donc j'en ai quand même ramassé pas mal. On devrait être tranquille. Et regardez le niveau architecte, on est déjà pratiquement à la moitié quand la maison va être finie. Donc ça va être bien. Et voilà les amis, la maison à étage avec les fondations en pierre. Donc vraiment elle est trop stylée. On va regarder ça ensemble. Alors déjà, elle vaut combien? 1700 gold. Ok, 1700 gold, c'est vraiment pas mal. Donc l'intérieur, c'est assez petit. Il y a une caisse de rangement ici, au premier. Au deuxième étage, qu'est-ce qu'on a? Petite table pour faire de la viande, d'accord. Et puis là, bah, c'est une petite bibliothèque de déco. Le lit. Et ici, on a un petit bureau pour pouvoir lire le soir. Ok. Bon, c'est assez sympa. Donc, c'est assez vide quand même hein, dans les maisons. À part la petite caisse de rangement là. On peut pas mettre grand-chose ici. Donc, 1700 gold. Hein, je trouve que ça fait cher quand même pour cette baraque. Ok. Donc, prospérité, on est très pauvre. Et on n'a qu'un colon pour l'instant. Donc, malheureusement. Donc, on va continuer la construction, les amis. Je vais enlever le rocher ici. Près des habitations, on va virer ça. Alors, les amis, donc j'ai pas mal enlevé de rochers, comme vous pouvez voir. Et les arbres également. Donc là, il reste encore quelques rochers. Je ferai ça un petit peu plus tard. Alors, les amis, on va essayer de reconstruire des maisons. On va en refaire pas mal. Un bon petit paquet. Donc, celle-là, ça coûte hyper cher hein, quand on les vend. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais essayer d'en faire un petit peu à tous les prix. Donc, on va commencer par celle-là également, avec les fondations en pierre. Elle me paraît quand même assez sympa. On va s'en faire par là-bas. Alors, on va pas les mettre trop loin non plus. On va les mettre par là. Allez, c'est parti. Donc, construire, oui. Allez, c'est parti. Donc, planches, on n'en a plus des planches. Ah bah ouais. Bon, bah c'est parti, on va s'en faire un petit paquet. Allez, 130 planches. On est à 137 colons maintenant sur l'île, donc c'est pas mal. Ça augmente bien. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir si ils ont acheté des maisons. Donc celle-là, elle va se vendre quand même assez cher, je pense. 400, ouais, c'est parfait. 400, ok, on la met en vente. Ah ouais, c'est sympa à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Ok, donc voilà, ça avance bien. On a construit déjà deux maisons, la ferme là-bas. Je vais regarder vite fait combien on est dans le village. Ah, pour l'instant, on est que avec un seul colon. C'est bizarre, il n'y a personne d'autre qui nous a rejoint. Bon, très bien, on continue les habitations. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, les amis. On continue. On va essayer d'agrandir tout ça. On va essayer d'étaler un petit peu les maisons, un petit peu partout, pour pouvoir mettre la palissade. Donc, je vais la mettre en bordure de forêt, par là, celle-là. On va mettre une ici, les amis. Ça pourrait être sympa, près de la forêt, comme ça. Hop, on la place là. Et on va la construire. Allez, quelques pierres à rajouter, et puis on est bon. Voilà. Et on la met en vente, donc 650 gold, ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, ça va payer maintenant. Ok, on a un petit coffre. Ouais, c'est sympa. Avec le lit double, là, cette fois. Très bien. Eh bien, on avance bien, là, le village commence à se faire. On voit un petit peu des maisons partout, donc c'est assez sympa. J'aime bien. Donc, on va continuer les constructions. On va essayer de faire un petit truc par là. Donc, dans l'alignement, bien sûr, avec cette maison. Allez, on est parti. On va faire celle-là. On va la poser là. Je pense que ça paraît pas mal. Hop. Et on est déjà à 300 sur 500. Donc ça va aller assez vite pour passer architecte novice. Donc il faudrait que je regarde ce que ça débloque. Voilà, génial. 1175. C'est parfait. Ah, vraiment sympa. Vraiment, elle est stylée. Le petit escalier. Ouais, elle est bien comme maison. Celle-là, j'aime bien. Ah, non, top. Là, c'est le stock, le tonneau, d'accord. Très bien. Bon. Alors, voilà le cœur du village, les amis. Ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur. Hein. Ça, c'est bien.
Et donc maintenant, on va continuer de s'étaler un petit peu partout. Là-bas, c'est la ferme, ok. Eh bien, on va essayer de faire une petite habitation par là. Ça va changer. On va s'en faire une là. Allez, une petite maison en bois cette fois. Pas trop cher. Ou alors, ouais, je pourrais la mettre comme ça. Ça va changer un petit peu de sens. On va la mettre là. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que peut-être les maisons sont assez chères et du coup personne vient pour habiter cette colonie justement. Donc on va essayer de faire quelques maisons pas trop chères. Donc 125 gold, hein, c'est quand même pas la ruine. Donc comme ça pour le fermier, admettons, voilà. Il aura sa petite maison ici. Ah ça c'est quoi? Poivron. Ok. Bon j'en ai déjà pas mal. On va continuer les habitations par là les amis pour essayer de pousser les palissades au maximum. En plus, il y a une mine de fer là-haut. Donc, on va mettre une maison par là. Allez, on va se faire celle-là. Maison en pierre. Enfin, la fondation en pierre. On va la mettre là. Tac. C'est parti. $650 qu'on peut la vendre. Ouais, c'est parfait. Alors, on va essayer de vendre la petite maison ici. Très bien. Donc voilà, comme ça, on s'étale un petit peu partout. Et puis, bah, les palissades, quand on va les construire, normalement, ça devrait aller partout, en fait. Est-ce qu'on se crée une petite maison par là, au-dessus? Allez, on va essayer. On essaye, les amis. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. On va tester. Est-ce que je mets la maison hyper chère ou pas? 30 pierres brutes, 30 planches de bois. Allez, on va essayer. La pente est trop raide. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas que je peux pas construire. On peut la mettre par là. Donc très bien. Hop, donc la maison est vraiment en hauteur et en plus c'est une maison à étage. Donc ouais, ça peut être sympa. On va essayer ça. Donc les planches, hein, je pense qu'il va falloir que j'en refasse. Et regardez la compétence architecte là. On va bientôt passer. On est bientôt à 500 les amis. Et ça fait plaisir. Voilà, super. Donc on la met en vente et 1700 gold. Très bien. Il y a vraiment le choix en maison. Il y en a plein partout, à tous les prix. Donc, franchement, bien, ça me paraît pas mal, ça, les amis. Donc, le colon, en fait, il a construit ça lui-même. Donc, c'est sa petite boutique, en fait. Donc, c'est assez sympa. Ils peuvent construire eux-mêmes aussi des choses. Et regardez, les amis. Il y a la petite vendeuse, là, qu'elle a. Donc, c'est mon colon. Hein, c'est le seul que j'ai. Donc, je peux lui parler, bien sûr. Ah, on est toujours un. Il n'y a pas d'autres colons qui viennent, sérieux? Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne qui vient dans ma colonie. Faut peut-être que je fasse des palissades, des amis. Je vais peut-être en faire quand même. C'est peut-être à cause de ça que personne vient. Donc finalement, on va peut-être refaire des maisons par là-bas. Allez, on va se refaire une petite maison comme ça, les amis, en bois. Vraiment, la maison très très simple, hein, qui coûte que 80 gold. Donc c'est pas très très cher. On va se la poser là. Hop, c'est parti. Ah, j'ai plus de planches. D'accord. Voilà, super. Et on la met en vente, donc pour 80 seulement. C'est vraiment très peu. Donc je vais peut-être dormir un petit peu. On voit la barre bleue qui est vraiment vidée. On va pouvoir dormir un peu. Est-ce que j'ai faim? Ouais. Alors, on va manger un petit peu. Voilà. À chaque fois, je double-clique, mais en fait, c'est un clic. Donc, on va dormir. Hop. Et on va faire une bonne nuit de repos. 10 heures. Donc, on est 173 maintenant sur l'île. Très bien. Une nouvelle famille s'est installée. D'accord. On a deux colons. Super. Alors, ils sont venus sur la. Donc, ils n'ont pas acheté celle-là. Non, elle est toujours à vendre. Donc, super, ils ont dû prendre une maison assez chère. Et on a gagné 125 or et 62. Donc, c'est parfait. Ouais, elle est jolie, hein. On pourrait peut-être la draguer. J'aurais besoin de 10 pierres brutes. Ah, bah, très bien, ouais. On va lui donner. Voilà, on gagne de l'XP, un petit peu d'or. Et puis l'amitié commence à monter avec elle. Donc ouais, on va essayer de la draguer. Elle est vraiment jolie.
Donc c'est Ewo Ekorsen, nommé plein aux as. Ok. Donc elle a peut-être de l'argent vu son pseudo. On verra bien. De toute façon, je vais le voir sur le panneau d'affichage, hein, combien elle a sur elle. Donc on regardera ça. Et est-ce qu'elle peut m'apprendre quelque chose? Alors marchand également. Donc ça m'intéresse pas vraiment des marchands. Il y en a déjà un autre. Ah, génial. Regardez, on est passé à 4 maintenant. 4 colons. Donc c'est venu vraiment d'un coup là, les amis. C'est génial. Et donc plein aux as. Ah, regardez comment elle a de la thune. Elle est à 4938. Donc je vais aller voir les colons. Je vais aller les voir. Donc il y en a un qui est là-bas. Très bien. Alors je vais te parler, mon gars. D'accord, ouais. 10 pierres. Très bien. Voilà, ça fait monter un petit peu l'XP, le gold. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Ah, il peut rien m'enseigner de plus. Ah, mince. Ouais. Et ça, c'est quoi ça? C'est sa maison? D'accord, il a acheté ici. Bon, bah, c'est très bien. Très bien, mon gars. Donc, le prochain colon, il est où? On va regarder. Donc, ça commence à venir. Hein. On est à 4 colons, là, c'est bien. Donc, terrassier. Et toi, t'es où? 90 mètres. Ouais, ils sont tous par là-bas, en fait. Votre bâtiment a été acheté. 500 or. Ah ouais, génial! Et donc, toi? 4 tourtes. D'accord, bah on ira tuer les loups, mais pour l'instant, c'est hors de question. Hein. Je suis pas équipé du tout. Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Herboriste. Ouais, ça m'intéresse pas des masses. Donc ça commence à bien rentrer là. Les colons sont venus dans ma ville. Et regardez un petit peu l'or qu'on a. On est passé à 1302 maintenant. Donc ça commence à être bien. Ah, c'est génial ça, les amis. C'est vraiment satisfaisant quand on avance comme ça et puis que les gens commencent à arriver. Ça achète pas mal. Tous les rochers que vous voyez ici n'existeront plus dans le prochain épisode. Je farmerai pas mal de pierres et puis je continuerai à agrandir tout ça. Donc là, c'est quoi qu'ils veulent construire là-bas? Ok, bah on va l'aider à construire ça. Je sais pas ce que c'est. Voilà, il reste plus que les pierres. D'accord. Ah bah ça va être génial. C'est ça qu'il me fallait de toute façon pour le tailleur de pierre. Et donc, bah, génial, ça, c'est vraiment bien. Pierre taillée, donc compétence mineure. Ouais. Donc tant que je suis pas mineur, je peux pas faire ça. Mais on a le bâtiment de pierre taillée grâce au mec. Donc ça, c'est bien. Et ça lui appartient, je pense. Mais bon, c'est pas bien grave. On peut même lui détruire, mais bon, je vois pas l'intérêt de détruire sa structure. On va le laisser comme ça. Voilà, je t'ai construit ton truc, mon gars. Et en plus, on est passé à 31 avec lui. Donc vraiment, c'est pas mal. Ok. Ça a grandement augmenté grâce à ça. Donc les loups sont là-bas. On ira plus tard. On essaiera de continuer à draguer notre chérie dans les prochains épisodes. Donc, point d'apprentissage, on est passé à 110 maintenant. Voilà, on est passé level 12. Très bien. Ah, c'est vraiment génial. Regardez ça, l'or, les amis. Donc, eh ben, on va continuer les constructions. Ah, bah tiens, il y a quelque chose qui se construit là-bas. Je pense que c'est une maison, comme ça, à vue d'œil. Et donc, bah, on va l'aider. Allez, on va construire sa maison. Ah mince, j'ai pas les pierres taillées par contre. Ouais. Bon bah on va le laisser faire pour les pierres taillées. Donc voilà, ça va toujours augmenter. En plus c'est avec plein aux as, donc c'est avec c'est le bâtiment à ma chérie ça en plus, plein aux as. Et donc super, on a augmenté la relation avec elle. Donc ça pouvait pas tomber mieux. C'est dommage que j'ai pas pu finir le bâtiment. J'ai pas la compétence. Donc où est-ce qu'elle est elle déjà? J'aimerais bien la traquer.
pour voir où c'est qu'elle est. Colon. Alors, on peut pas la traquer ici. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est encore à 4938 en or. Lui, par contre, il a plus rien du tout. Il est vraiment à sec. Il est retombé à zéro. Il est fermier. On va aller voir notre future copine, les amis. Alors. Ouais, on est passé à 70. Regardez ça, les amis. Ah, c'est énorme. J'ai bien fait d'aller l'aider. Et en plus, je voulais devenir son petit ami. Donc, bah, ça tombe bien. Super. On a augmenté en plus avec elle. Ah, mince. Apparemment, elle a déjà une famille. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Grosse déception. Voilà, on va l'ajouter en tant qu'ami dans le journal. Comme ça, voilà. Ok, mais construisons d'abord un hôtel de ville. Ouais, bon, pour l'instant, l'hôtel de ville, je vais pas pouvoir le construire, les amis. On va continuer les habitations avant de se laisser. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ah oui, petite maison en pierre, carrément. Ah ouais, ça va être vraiment stylé. Alors, on va essayer de faire une maison en pierre ensemble. On va la mettre par là-bas. Et on va essayer de se faire la palissade juste après. Comme ça, on clôturera l'épisode 2... Après ça, ah regardez la maison, comment elle est classe. Avec le petit cellier, là, j'imagine, à côté. Trop bien. Hop, on va la construire là. Et maison en pierre, là, vraiment full pierre partout. Ça se construit super vite. Allez, on va la vendre. 2000 qu'elle vaut la maison. Oh là là, génial. Donc là, ça va rentrer. Hein. On va avoir beaucoup d'or, les amis, quand ça va être acheté, tout ça. Vraiment sympa. Là, le petit cellier, le stock ici. Super. Ah, elle est vraiment stylée, celle-là. J'aime bien cette maison. Et la prochaine, on va la mettre vraiment la plus grosse. Allez. Ah oui, mais pierre taillée, je ne vais pas pouvoir. Ouais, le restant, c'est en pierre taillée, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir les faire, les amis. Allez, on va se faire celle-là. Et puis, on va se laisser là pour cet épisode. Allez, on va la placer ici. Super. Regardez ça, depuis qu'on est passé l'autre level, comment que ça se construit super vite. Un truc de fou. Et là, on peut la vendre 650, celle-là. Donc, allez, c'est parti. Ouais, c'est génial. C'est génial, les amis. Bon, ben voilà. On va placer maintenant la palissade. D'abord, je vais faire la petite sauvegarde pour voir si ça va. Voilà. Et maintenant, construction de la palissade. Alors, on n'est qu'à 67 rondins. Donc, attendez, je vais couper un arbre. Faut 100 troncs apparemment. Donc hop, on va couper les troncs. Et on va se construire la palissade juste après, les amis. Après, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense que c'est déjà pas mal. On a bien construit. Et les colons commencent à revenir en masse. Donc ça, c'est cool. Voilà, on va couper cet arbre là. On va bientôt passer menuisier également. On est presque à 200 sur 250. Donc ça, c'est vraiment génial également. Donc on est à combien en troncs là? 107. Eh bien, c'est parfait. On va tester la palissade, les amis. On va voir ce que ça donne. Donc on pourrait même faire ça, mais il faut 100 pierres taillées. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout de pierres taillées. On va se faire ça. Allez, on va construire la palissade, les amis. Donc 100 rondins, on est à 107. Parfait. Oh yes! Regardez la petite palissade autour là. Oh là 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 là! Regardez ça! Ça commence à devenir bien là. Donc là, la colonie est bien protégée comme ça. Et puis bah franchement, on a même le terrain avec la forêt. Ça a été pris également. Alors peut-être que maintenant les colons vont arriver plus facilement comme ça. On va regarder. Là pour l'instant, on a encore 4. Donc on a un fermier, un terrassier. Et deux marchands. Donc les amis, je suis en train d'enlever tous les rochers. Donc je vais passer le level mineur, vous allez voir. Il reste 3 pierres à ramasser. Et puis normalement, je passe 250. Le level 250 pour mineur. Regardez ça. Hop.
Et ça y est, on a atteint mineur, les amis. Et là, regardez comment ça va super vite. Pour enlever le rocher maintenant. Et on gagne 3 pierres à chaque fois. Donc c'est énorme. Ah là là, ça fait super plaisir. Regardez ça, les amis. Un coup de pioche et on est bon. Donc on va ramasser un petit peu de choux. Donc elle a fini sa maison apparemment. Donc c'est avec lui qu'elle est, à mon avis, je pense. Herboriste, très bien. Donc voilà les amis, bah écoutez, on va se laisser là pour le deuxième épisode. Regardez maintenant, on a les rues pavées. Oh là là, c'est vraiment stylé. Ah, c'est vraiment classe comme ça. Super. Donc on est à 6 colons. Et donc, il y en a 2 qui sont revenus. Très bien. Eh ben, on va aller les voir avant. Et puis on va se laisser là, les amis. Donc toi, t'es où, mon gars? 60. On va te parler. Allez, là-dedans. Ah bah, c'est qu'il est. Ah, t'es là. Très bien. Alors, 3 pains, non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je pourrais te les donner plus tard. Voilà, on accepte la quête. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre, mon gars? Ah, t'es marchand également. Oh là là, il n'y a que des marchands ici. Dans cette ville, il n'y a que ça. Truc de fou. Et l'autre? Regardez ça, tous les marchands qu'on a là-dedans. 3 marchands, un terrassier, un fermier. Et puis lui. Allez, dis-moi que t'es un soldat ou ça pourrait être bien également. Pour être engagé dans la milice. Alors, t'es quoi toi, mon gars? Des tartes sans baie. Bon, ok, bah on ira le chercher. Toi, t'es quoi, mon gars? Menuisier. D'accord, donc ça, c'est un menuisier. Bon, ça change un petit peu. Donc, on a déjà appris, je crois, le talent menuisier, où on est vraiment sur le point de le faire, en tout cas. Concombre, on va ramasser ça avant. Voilà, super. Alors, avant, les amis, je vais aller voir quand même la petite ferme là-bas pour voir ce que ça donne. Est-ce que les plantes ont poussé ou pas? Et puis, on va se laisser là pour le deuxième épisode. Promis. On va regarder ça avant. Ah, bah oui, ça a bien poussé, là, en effet. Et donc, ce sera prêt dans environ 1h15. Donc, on verra ça dans le prochain épisode, les amis. Donc, on est à 1302 pour l'instant en or. Donc, ce qui est vraiment pas mal. On a pratiquement triplé l'argent de départ, sachant qu'on était qu'à 500 au départ. Donc, vraiment, ça s'est bien vendu. Donc, voilà, on va se laisser là, les amis, pour cet épisode. J'espère que vous aurez aimé. Mettez des likes et de vous abonner à la chaîne comme vous faites. Vraiment, ça rend vraiment super avec les palissades comme ça. Bon, après, en bois, hein, c'est vraiment le plus bas de gamme. On essaiera de se faire une muraille vraiment énorme avec des pierres cette fois. On verra ça dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. Bye bye.